Pour un oui, pour un son. Bertrand Bichot, Alexandre Lemierre. Bonjour. 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 J'ai endormi. Ça va ? Bertrand, ça va ? Ça passe, hein ? Alors, bonjour mesdames, messieurs. C'est un peu court. Ça passe pas. Ça passe pas court, jeune homme. Ça ne passe pas. Il est passé par ici. Il repassera par là. La 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 la. Là-bas, c'était. Ouais, tu vois, j'ai le même genre d'ambiance, hein, de toute façon. Tu vois. Salut! C'est pas mal comme décor. T'as pas l'impression que je suis dans des pissotières. C'est vrai, en arrivant, je suis. Et tu sais, ça fait un peu pissotière, tu sais. Pour présenter notre invité, on se doit de faire allusion à l'illusion, car c'est ainsi qu'il débuta comme par magie en étant illusionniste. Puis il se transforma en transformiste, investissant son féminin en se travestissant. Ce fut l'époque de la grande Eugène. Puis il changea de costume, rôle après rôle, alternant scènes de théâtre et plateaux de cinéma. Il tourna avec, parmi d'autres, Audiard, père, Blié, fils, Jean-Yann, le Saint-Esprit, Yves Boisset, Lelouch, Corneau, Mocky, Pinotto, Romer, Jean-Jacques Hano et bien entendu Caro et Genet pour son inoubliable et flippant rôle de boucher dans Délicate SN. Patrice Lecomte, qui le connaît bien, la rumeur dit même qu'il serait copain, comme cochon forcément, le définit ainsi. Ce type est fêlé, bizarre, inhabituel, singulier, rassurant et imprévisible. Jean-Claude Dreyfus est l'invité aujourd'hui de Pour un oui, pour un son, et vous nous recevez dans un bistrot que vous avez choisi. On est dans l'est de Paris. Ah oui, on est à un bistrot qui s'appelle le Jockey. C'est chez Sandrine. Sandrine qui nous reçoit dans sa salle, chez elle en fait, elle est comme une espèce de salle de répétition. Enfin, c'est grand, c'est agréable, il y a des grands fauteuils. Dès que j'en ai marre de répéter, je m'assois dans un fauteuil et je m'endors. Et puis on reprend après, au bout d'un quart d'heure de sommeil, je repars comme en 40. C'est votre QG un peu. Alors ben, c'est pas vraiment mon QG parce que elle est pas souvent ouverte. Elle est ouverte de temps en temps quand elle a décidé. Et elle a décidé aujourd'hui elle a sondé un peu et on va manger là. J'ai des amis qui vont venir tout à l'heure. On va grignoter ici et il y aura ce que j'aime le mieux, c'est les quiches et la tarte au citron. D'ailleurs, elle vient nous montrer un énorme citron, mais monumental. Il y a la télé, tiens, il y a la caméra, on peut le montrer. Tiens, apporte-moi. On va voir apparaître transgénique, hein, Sandrine. Mais pas du tout. Ça ressemble à un pamplemousse, cette chose. C'est beau, hein. C'est un citron, c'est léger. Je pense que les dames qu'on a entendues, les boys tout à l'heure, elles mettraient ça autour de la ceinture, elles en mettraient deux. Là, on comprendrait pourquoi. Non, ça veut dire avec deux feuilles de vigne et tout. Alors moi, j'en ai deux ici pour continuer à être un peu un trave de temps en temps. Voilà. Plus que bon. Jamais, j'invite vous dire, ça aller bon. Sur le site de la radio pour tiens, avoir plus de l'émission. Ça vaut le coup. Rien n'est faux. Il suffit d'avoir un peu la foi et tout devient réel. Pour moi, c'est surtout le lieu où se rencontrent le monde visible et le monde invisible, c'est-à-dire le lieu où mes fantômes espèrent bien rencontrer ceux du public. Rien n'est faux, rien n'est faux, rien n'est faux, rien n'est faux. Mais ne l'oubliez pas, c'est quand le rideau se lève que votre vie commence. Il ne tient qu'à vous qu'elle continue le rideau une fois baissé. Nous sommes au Jockey, à l'est de Paris, et Jean-Claude Dreyfus vient de poser sur notre table une bouteille de rosé à son effigie. On est à la radio, mais il y a une cam maintenant. Ouais, on voilà. Peut le voir sur. Celle-là, elle est dédicacée. Elle est dédicacée à Sandrine. Mais voilà, alors la tenancière du lieu. Voilà, c'est la tenancière. Alors je porte un viticulteur parce que je ne fais pas mon vin, j'ai pas de vigne en fait. Et je porte un viticulteur parce que j'ai bu son vin, je le connais, et qu'il fait un très bon vin rouge d'abord, et que j'ai appelé le pinard. C'est pas du cochon, c'est de l'art.